Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de novembre, ça commence avec le soleil en scorpion qui va occuper votre secteur 4 de la maison, de la famille et qui gère aussi le passé, les événements du passé, l'enfance, hein, parfois. On peut retrouver chez le lion, pendant la période scorpion, des comportements ou des souvenirs d'enfance qui vous reviennent. Hein, le scorpion étant vraiment le signe qui va aller chercher dans les profondeurs de votre psyché des souvenirs que la plupart du temps vous mettez de côté. Mais là, ils vous reviennent, peut-être parce que c'est l'occasion d'un anniversaire, d'une commémoration de quelque chose. En tout cas, il y a aussi la maison hein, qui appartient à ce secteur. Alors, est-ce que vous avez des travaux de rénovation à faire dans la maison? Ça n'est pas exclu. En tout cas, ce sera la bonne période pour le faire. Et puis, bon, c'est la famille, d'une manière générale, hein, qui appartient aux scorpions. Donc, vous vous occuperez peut-être un peu plus de votre famille que les autres mois. Après le 22, un super soleil en Sagittaire qui va vous permettre de briller davantage. Parce qu'en période scorpion, vous êtes plus dans l'intimité. Alors que vraiment, à partir du Sagittaire, là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des gros projecteurs qui étaient braqués sur vous et vous avez l'impression d'exister davantage, de briller, d'être vraiment le lion superbe et généreux, surtout. Côté activité, c'est moins brillant. Nous avons une conjonction du Soleil et de Mars, de Mercure en scorpion, et tout ça s'oppose à Uranus. Alors, si vous êtes du deuxième et du troisième décan, mais surtout début du troisième, fin du deuxième, vous serez forcément sensible à ces tensions qui sont générées par l'opposition de Mars et d'Uranus. Vous pouvez être au bord de la rupture, au bord de prendre une décision drastique. Bon, cela dit, ça s'est répété plusieurs fois au cours de l'année, n'est-ce pas ? Ces situations un petit peu borderline. Uranus est encore est rétrograde. Alors il est possible que rien ne se passe vraiment de concret, mais alors ça va vous occuper la tête. Hein, vous allez beaucoup y penser et vous savez qu'en période scorpion, souvent on fait des fixettes. Hein, donc, quelle solution c'est un petit peu difficile dans la mesure où vous pouvez pas lutter contre les contraintes qu'impose Uranus. Le mieux, c'est de vous adapter, d'essayer de trouver le moyen de vous adapter et même d'adapter la situation finalement à ce que vous voudriez qu'elle soit. Il faut essayer. Si jamais vous ne pouvez pas, trouver un plan B. Côté amour, alors là, ça va beaucoup mieux. Hein. Vénus va rentrer en balance le 8 novembre, et elle est chez elle, elle est puissante, elle sera freinée par aucune autre planète. Elle va être dans votre secteur 3, donc forcément, vous aurez des relations avec votre entourage, qu'ils soient personnels ou professionnels, qui seront agréables, qui vous calmeront, qui vous apaiseront si vous êtes de ceux qui subissent les tensions uraniennes. Il est très possible aussi que vous ayez quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui ait de bons conseils, qui va se tenir à vos côtés et vous aider à mieux accepter les événements. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'événements, ce sont peut-être des événements du passé. C'est ce que nous dit le scorpion, le passé hein, est au premier plan. Donc, à mon avis, ce sont des événements du passé qui reviennent
plus dans votre tête que dans la réalité, hein, puisque Uranus est rétrograde, et donc vous allez pouvoir en parler avec quelqu'un que vous aimez, dont vous savez que cette personne tient à vous, vous dit la vérité, n'essaye pas de vous épargner, mais qui a des sentiments, quelqu'un qui a des sentiments, ça peut être votre partenaire, hein, par exemple. Votre chéri qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir apaisé ou en tout cas pour pouvoir penser plus librement et avoir des idées qui vous permettront peut-être de sortir de cette situation par le haut. Parce que pour le lion, il faut toujours sortir par le haut. Des bonnes journées, le 1er, le 9, le 15 et le 23. Disons que vous serez plus dynamique, plus enclin à voir les choses de manière positive et non de manière négative. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes. Ensuite, si vous voulez vraiment mieux vous comprendre, mieux connaître votre avenir en 2024, eh bien vous pouvez avoir une consultation avec Zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone. N'oubliez pas les réseaux sociaux, notre live du mardi soir et du vendredi, et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site celastro.com. Je vous souhaite un très bon mois de novembre.